Les propos de Kim Glo sur les smicards prennent de l'ampleur. Plusieurs candidats de télé-réalité réagissent et la taclent fort. Après Sarah Lopez, Vivian, c'est au tour de Jazz et Laurent de répondre. Kim Glo est actuellement en tendance sur Twitter suite à ses propos jugés déplacés et honteux par les internautes et plusieurs influenceurs. Suite aux différentes critiques que l'ancienne candidate des Anges reçoit sur Twitter et Instagram, Kim a réagi en se vantant de sa situation financière et en narguant les personnes qui touchent le SMIC et ceux qui habitent dans les HLM. Plusieurs personnalités dans le milieu de la télé-réalité n'ont pas digéré ses propos et ont rapidement réagi. Commençant par Sarah Lopez, Gabano, Vivian, Mehdi de l'île de la Tentation et Liam. Tous ces candidats font appel au boycott et au signalement du compte de l'ancienne star des Anges. Jazz et Laurent ont décidé de prendre la parole pour défendre toutes les personnes qui travaillent dur tous les jours et en pointant du doigt les propos de Kim qu'ils ont jugés de honte. Je vous laisse avec leur réaction. Sachez les amis, les personnes qui travaillent très dur, jour et nuit, tous les jours, nos parents qui travaillent tous les jours, ma mère, ma belle-mère, nos familles, les parents des mines, toutes les personnes qui travaillent jour et nuit, vous tous qui nous regardez, vous êtes des personnes formidables et on vous souhaite tout le courage du monde et vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Bien au contraire, vous avez beaucoup plus de mérite à économiser et à partir en vacances. Voilà, donc n'écoutez pas qui que ce soit qui souhaiterait vous piquer injustement parce que c'est n'importe quoi de dire des choses pareilles. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort et bon courage à toutes les personnes justement qui actuellement sont en difficulté pour aller travailler et qui justement après cette merde de virus de corona qui sera finie vont aller reprendre le travail, vraiment pour faire vivre notre pays, pour faire vivre le monde. Et puis voilà, force, courage et détermination à vous, vous êtes les meilleurs. Que pensez-vous du message de Laurent et de Jazz et de toute cette histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.